œuvre du chantier turc Numarine. Le 78 Hardtop a été présenté pour la première fois au Salon Nautique de Cannes 2009. Ce yacht qualifié d'open tranche sensiblement avec les autres modèles de cette catégorie. Tout le design extérieur de ce 23 mètres est l'œuvre d'un Italien, Tommaso Spadolini, qui apprécie les formes modernes et très dynamiques. Paris tenu en tout cas avec sous nos yeux une silhouette sportive, avec un toit incluant des panneaux vitrés et un pare-brise très affûté. À l'intérieur du Numarine, toute la décoration du carré et des cabines a été imaginée sur place en Turquie. Éclairé par de larges baies vitrées avec vue sur la mer, le carré du 78 mélange les bois foncés, type Wangé ou Zerano, avec des céleris en cuir de couleur blanche, crème ou encore tabac. Une décoration très actuelle et minimaliste. Orienté sur le charter, le yacht dispose au total de 4 cabines et d'un espace équipage. Chaque cabine dispose d'une très belle salle de bain avec une douche indépendante et un espace suffisant pour se relaxer. Depuis l'arrivée d'un fonds d'investissement de Dubaï fin 2008, le chantier turc a mis les bouchées doubles sur ses finitions intérieures et cela se voit. Dans le carré principal du Numarine, les passagers bénéficient de vitres latérales, d'un toit ouvrant, d'une banquette pour 8 personnes et d'une très jolie table en verre. Enfin, assez discret, le poste de pilotage décentré à tribord est de plein pied avec le carré principal. Facilement accessible via de larges passes avant et un revêtement en teck de belle facture, la proue libère un espace solarium impressionnant avec une sellerie mauve très osée. Idem pour l'arrière de l'Open, qui dispose également d'un vaste bain de soleil avec accès direct à la plateforme de bain du vrai Cousumain. Très sportif, le 78 Hardtop dispose dans la cale de deux moteurs V12 MAN de 1550 chevaux chacun, accouplés à un V-Drive. Vitesse maxi environ 35 nœuds, qui peut être augmentée sur commande via des hélices de surface Arneson, rendant le moteur yacht encore plus véloce. Un Numarine en tout cas 78 HT, remarquable côté finition et design, preuve qu'il faudra compter dorénavant avec les chantiers turcs dans ce créneau du prestige et du luxe.